Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Freddy Beauty. Aujourd'hui, c'est une spéciale déco, spéciale Noël. Et oui, déjà que le temps passe vite. On est allé deux mois de Noël à peu près, donc ça va aller très très vite. Et j'avais envie de vous faire partager ce que j'avais découvert en boutique, dans les diverses boutiques parisiennes, au niveau de leurs événements de Noël. Comme vous pouvez le voir, ma déco a changé. Je la trouve beaucoup plus sympa encore, donc je m'améliore de jour en jour à vrai dire. Donc je suis super content. J'espère que la chaîne vous plaît et que vous êtes de plus en plus nombreux en plus à me rejoindre. Donc ça me fait super plaisir. Continuez, abonnez-vous. Alors, pour commencer, je vais vous présenter ce que j'ai découvert donc dans les boutiques de Noël, enfin dans les boutiques décoration pour Noël. Alors bien entendu, j'ai pas amené les magasins avec moi, j'ai juste déniché ce qui m'intéressait personnellement et je vais vous les faire donc partager. Alors pour Noël, donc j'ai trouvé des trucs assez sympas. Alors c'est très décoratif, mais par exemple des choses comme ça, vous pouvez à la fois faire de la peinture dessus, enfin faire à votre sauce personnalisée, donc des petites choses comme ça. Alors ça vient de la boutique, je sais pas si vous connaissez, qui est la boutique Pickwick. Donc ils font des trucs assez sympas sur tout ce qui est décoratif, do it yourself, fait par soi-même. Donc j'ai pris chez eux ça. J'ai pris aussi des petits stickers en 3D de Noël qui sont comme ça. Ouais, c'est sympa pour mettre un petit peu en décoration, un peu comme vous voulez. Après, vous voyez aussi des choses un petit peu créatives comme ça en bois, donc à peindre, pailleter, donc des idées de voilà quoi, de fait maison. Ensuite, chez Jiffy, j'ai trouvé, alors ça c'est assez sympa, j'ai trouvé ça super rigolo. Si vous le voyez bien, c'est mon panneau qui va être dans ma déco de Noël cette année. Vous allez le voir assez souvent, je pense. Donc voilà, j'ai trouvé ça. Je trouvais ça plutôt original. Donc il y a cheminée, joyeux Noël, enfin voilà, plein de trucs à voilà, un petit panneau assez sympa. Donc voilà, pour revendiquer que c'est Noël bientôt. Voilà. Ensuite, sur la déco de Noël, j'ai retrouvé aussi donc d'autres trucs assez sympas. Alors attendez, ça je vais le poser par terre. Voilà. Hop. Alors, chez Casa aussi, j'ai trouvé des petits rubans de table, ou enfin tissu décoratif. Très très sympa, je trouve. Vous voyez, je vous montre. Donc ça c'est le scotch au départ, mais vous voyez, c'est très sympa. Il existe aussi en argent, donc comme ça. Tout ça c'est à Casa. Casa, c'est ASA. Voilà, des choses comme ça, des rubans décoratifs, tissus décoratifs. Puis sur la boutique Zodio, j'ai trouvé aussi des rubans bien plus grands, des papiers cadeaux scintillants. Voilà, comme ça. Donc ça c'est chez Zodio. Vous trouvez ça. Encore, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben, je vais me tourner un petit peu là. Donc, j'ai trouvé aussi chez Jiffy une petite tour Eiffel, des décoratifs très sympas. Donc voilà, comme ça par exemple. Ça c'est ben, la tour Eiffel, hein, habitant Paris, on peut pas passer à côté. Aussi des sujets, ça très sympa aussi à Jiffy cette année. Je trouve qu'ils ont fait des trucs assez mignons. Vous voyez. Des petits pains d'épices en personnage. Voilà, je trouve ça mignon. Ça. Ensuite, aussi chez Jiffy, des genres de autocollants que vous pouvez mettre sur les vitres, hein, enfin un peu partout où vous voulez. Donc, par exemple, le sapin. J'ai trouvé aussi chez Casa, ça aussi, c'est très mignon aussi. C'est un sapin, alors qu'il se. C'est des boîtes en fait, hein, comme ça. Et vous le emboîtez de manière très facilement. Donc ça aussi, je trouvais ça très mignon. Voilà, chez Casa.
Ça, je l'ai trouvé chez Jiffy. Alors, c'est beaucoup la tendance bois, je trouve, cette année. On voit beaucoup de choses faites avec du bois en décoration, pardon. Et je trouve ça plutôt sympa. Et c'est très brillant aussi cette année, très argenté, doré, or, dans le glitter. Ça va beaucoup scintiller cette année. C'est la tendance, j'ai l'impression. Voilà, dans tout ce qu'on voit dans les boutiques décoratives, ça brille énormément. Mais avec un côté très bois, donc je trouve ça assez sympa. Ensuite, chez Pickwick, oh, je vais tout démonter, c'est pas grave. Ça aussi, des petits sapins, vous pouvez après peindre dessus, faire ce que vous voulez avec, mettre des paillettes, enfin, vous voyez, c'est très mignon ça aussi. Ensuite, j'ai trouvé aussi ça. Hop, ça aussi. Donc des petits sapins décoratifs. Ça, je crois que c'est à Jiffy que je l'ai trouvé aussi, il me semble. Donc ça aussi, vous voyez, c'est très bois là, cette année. On est très là-dedans. Et puis, hop, j'ai pris aussi un petit cerf en décoration aussi. Ligming, cette année, ça change un peu. Des petits cerfs. On en voit pas mal. Voilà. Et puis, bah, je crois. Ah oui, celui aussi. Qui est très mignon, un petit Bambi. Voilà. Donc voilà mes achats de Noël. Je trouve que c'est assez sympa, ça reste très très zen en même temps, enfin très très cocooning. Le bois, ça, on n'a qu'une envie, c'est une petite cheminée et faire un bon petit plat auprès du feu. Vu que bah, l'hiver va arriver très vite, hein, puisque le 21 décembre, bien entendu, ce sera l'hiver. Donc voilà, en attendant que Noël arrive, n'hésitez pas de voir un petit peu ce qui se fait dans les boutiques décoratives autour de chez vous, parce que ça vaut vraiment le coup de voir un petit peu ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait, et de vous donner des idées. Voilà, c'était la vidéo spéciale haul décoration de Noël. J'espère que ça vous a plu. Ça change de ce que je fais habituellement. Bien entendu, on reviendra sur les vidéos cosmétiques, soins, très vite, puisque énormément de choses vont arriver sur la chaîne Freely Beauty. En attendant, moi, je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas, soutenez-moi, abonnez-vous à ma chaîne Freely Beauty. Moi, je vous retrouve très vite. Au revoir.